Et coucou, c'est les successeurs. Et bientôt, et bienvenue, et bientôt, et bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo où on a répondu à vos questions et vos idées de débat. C'est parti. Nous avons des questions de Foc, donc je crois que c'est Célia. Qu'est-ce que vous pensez des changements de couleur de peau des personnages dans les live action? Genre la petite sirène? La petite sirène, ou possiblement Hercule. Ça ne me dérange pas. Du tout. Et ça m'éclate quand les gens font des polémiques. Quand les gens disent « Hein ?» Il ne ressemble pas trop à Hercule. Ah, non, ce n'est pas ma Ariel. Je boycotte. On l'a répété des milliers de fois. Le Disney de votre enfance n'est pas gâché. Le Disney de votre enfance existera toujours. S'il ne vous intéresse pas, passez votre chemin. Si Disney fait ça, de une, peut-être que c'est pour faire un buzz. Et de deux, c'est aussi pour faire en sorte que, quand on ressort un nouveau film... Eh ben, il y a de l'inclusivité. On refait des poupées. Il y a un intérêt à aller le voir. On retourne dans le milieu de la débat où on a dit les live action, c'est soit ils ressemblent exactement pareil, du coup il n'y a aucun intérêt. Mm. Soit il prend des libertés, les gens râlent parce qu'il prend des libertés. Soit il prend des libertés et ça fait poser plus de questions qu'on s'en posait avant, comme l'abeille et la bête par exemple. Soit il cherche le réalisme et du coup on perd en émotion, le roi lion. Soit on prend trop de libertés et ça ressemble à rien, Dumbo. Voilà, il y a un équilibre qui... Il y en a qui plairont et d'autres qui plairont pas. Je pense que c'est de façon fait exprès pour que... Oui, de toute façon, que ça fasse un certain buzz auprès des gens. Hein. Voilà. Et puis, de toute façon, voilà, il y a toujours des j'aime pas. Mmh. Et pour n'importe quel film, c'est ça. C'est le cas. Donc voilà, si vous voulez pas aller le voir, allez pas après, aller le voir. Mais... Ariel est black. Ariel est black. Bah ouais, et elle est canon et ça lui va très bien. Elle est plutôt canon. Donc voilà, pour notre avis là-dessus, qu'on a déjà parlé plein de fois, et je pense que vous pouvez trouver cet avis dans plein d'autres vidéos, parce que ça revient souvent. C'est quoi là, le prochain, du coup? Il n'y a pas Blanche-Neige aussi? Il n'y a pas une histoire Blanche-Neige. Comme quoi Blanche-Neige, ils ont craqué aussi? C'est la prochaine question. Ah d'accord. Que Disney ne veuille pas dire nain pour Blanche-Neige. Mm-hmm. Ça devait être créature fantastique et c'était des humains. Et les gens ont tellement gueulé que du coup, ça va être des nains en 3D. Oui. Voilà. Oui. Du coup, les pauvres acteurs qui ont participé, ils ont dû retourner le film. Ça sent le four hein, pour celui-là, parce que oh, ça me fait peur. En plus, il devait y avoir des filles dans les créatures. Et là, c'est que des mecs. C'est que des mecs, mais ouais. À mon avis, ça me fait peur. Mm-mm. Et s'ils veulent pas dire non, et ben ils veulent pas dire non. J'ai pas envie de... J'ai pas envie de dire que j'ai pas envie de me prononcer, mais je n'ai pas de personne à petite taille et je n'en suis pas une. Je peux pas comprendre pour eux si c'est vraiment une souffrance. Pour moi, quand on dit nain, c'est des créatures fantastiques comme dans Le Seigneur des Anneaux. Après, oui, bah, y a toujours des gens qui vont dire « Oh, t'as vu, il y a un nain dans la rue. » Bah oui, c'est triste, mais... C'est pas forcément péjoratif, en fait, ce terme nain. Enfin, moi, c'est... je pense qu'il ne l'est pas, mais je ne peux pas juger parce que je ne connais c'est pas. Ça. On n'a pas de recul par rapport à ça, mais on dit une personne qui souffre de nanisme. Donc, comment tu veux l'appeler à part nain? Voilà. En fait, donc une personne de petite taille, une personne. Je pense pas que les gens qui disent ça, c'est plutôt ouais que ce soit ça, ça qu'il y ait pas de négativité, de méchanceté derrière. Après, peut-être je me trompe, hein, je sais il pas. Il faudrait voilà si vous avez une personne ou si vous êtes une personne, voilà, n'hésitez à pas. À nous dire votre ressenti et ce que ça peut vous faire. Moi, je sais que ça me dérange pas. Ils peuvent les appeler après. Créature fantastique. Voilà, de toute façon, je sais que ça va juste s'appeler Blanche-Neige. C'est vrai que le film original s'appelle Blanche-Neige et les Sept Nains, donc. Peu importe. Pour moi, je m'en fous, mais après, je voudrais comprendre. Voilà. Pour vous, est-ce que le nombre énorme, peut-être, de remakes est un manque de créativité chez Disney? Moi, je dis oui et non. Ouais, clairement oui, je pense. Ils ont pas envie de se faire chier. Moi, comme je l'ai déjà dit, ils veulent faire un Vaiana. Ouais. Alors qu'il est plus récent que La Reine des Neiges et qu'il a moins marché que La Reine des Neiges. Vous pouvez être sûr que d'ici quelques années, vous verrez les successeurs sortent une vidéo, Disney annonce La Reine des Neiges live. C'est obligé. Alors, manque de créativité, oui et non. Parce que quelque part, je pense que les grands, comme nous, enfin comme nous de notre âge, ne veulent plus aller voir les Disney qui sortent, sont intéressés parce qu'ils cherchent le côté nostalgie. Ils cherchent le côté, ah, qu'est-ce qu'ils vont faire, machin. Alors qu'il y a des gens, mon Ariel. Ah non, il ressemble pas à Hercule. Ah non, c'est pas du tout à cause de sa couleur, il lui ressemble pas. Hercule est un dieu, Ariel est une déesse, ils peuvent être de n'importe quelle couleur, on s'en fout. Ils auraient dû prendre une même si c'est un dieu grec, on s'en fout. Pour Vaiana. Oh non, mais ça m'énerve ça. Après oui, les gens vont dire, ah mais par contre, si pour Vaiana ou pour Tiana, on prendrait une blanche, ça va râler. Tout dépend du contexte. Tiana est dans la Nouvelle-Orléans.
Vaiana est dans les îles. C'est normal. Voilà, c'est logique. Mmh. Et à l'origine, on le répète encore et encore, la princesse et la grenouille, la princesse, elle est russe. Elle a une couleur de peau blanche. Blanche-Neige est jalouse. Elle est blonde avec les cheveux blancs jusqu'au cul. Alors arrêtez de nous emmerder. Non, mais c'est vrai, c'est une perte de temps. Je dis pas ça contre toi, Célia, mais c'est pour le lancement du... Célia, elle est comme ça. Mais c'est bon, Tina, j'ai compris. Mais voilà, c'est vrai, quoi. C'est, et en même temps, ça leur empêche pas quand même de sortir des Disney en plus, mais aussi ils ont peur du four parce que Pixar à l'époque avait dit on sortira plus jamais de suite. Mmh. Et ils ont fait que ça. Ils ont vite fait demi-tour quand ils ont vu que quand ils ont sorti Luca et Saul que ça ça fait peur Viserys à deux. Oui, enfin, voilà, c'est ça. C'est parce que bah, regardez l'univers du jeu vidéo, Zelda, Mario, Call of Duty. Ah oui, t'as vu Zelda? Ben oui, il va y avoir un film. Ouais. Eh ben ouais, je sais plus quel youtubeur a fait ça. Il a fait en style, ah ouais, tiens, je viens voyager dans le temps, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ben c'est toujours Mario, c'est toujours Zelda, c'est toujours Mario Kart. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça tourne. Voilà, mais c'est... Il y a des nouvelles licences qui arrivent, mais c'est plus doux, c'est plus calme. Ouais, ouais. Il n'y a pas beaucoup de licences depuis un moment qui ont fait du bruit au point que tu as envie de vraiment réentendre parler autant que ça, quoi. Mm-hmm. Voilà pour ces questions. Quentin nous pose la question, quelle est votre vidéo préférée, Disney épisode, goûter, clip, réaction? Pour ma part, je garderai toujours un coup de cœur pour le premier que j'ai vu, La Belle au Bois Dormant. Merci pour vos vidéos depuis 6 ans que je vous suis. Je prends toujours autant de plaisir à voir votre évolution. Merci c'est beaucoup. Gentil. Et ben, on a plus ou moins répondu à la question. On va séparer. En Disney épisode, ouais, je dirais celui de Mulan parce que c'est celui qui a marqué notre retour. C'est la première fois qu'on a tourné avec ce nouveau décor. Ouais. D'ailleurs, c'était une étagère de DVD et pas de décoration. C'est vrai. Et après, ouais, peut-être la vidéo de Taram le chaudron magique avec Saphira et Fonfée. Mm-hmm. Et du coup, la vidéo de Bernard et Bianca dans la forêt avec Jotis. Mais j'ai on s'est vraiment amusé à faire tout ouais, ça. Et puis j'ai toujours une grande préférence. J'ai toujours aimé aussi faire le montage des vidéos musicales. C'est ça. Il y a ça aussi, le montage en fait derrière. Le montage, on adore. Ouais. Tu te souviens quand on a fait le montage de Poussière aussi. C'est ça. C'est notre première vidéo vraiment. Direct, ensemble. On l'a fait après avoir tourné. C'est la fameuse, et il faudrait qu'on le fasse ça aussi, c'est la fameuse poupée, bon vous la verrez peut-être pas parce que ça c'est pas très, mais c'est une poupée que j'ai fait la robe moi-même, j'ai acheté la poupée spécialement parce qu'elle te ressemblait entre guillemets, elle avait la même coupe, et j'avais fait des fausses feuilles, en gros c'est la poupée princesse, de Princesse Mag, avec la robe que j'ai fait moi-même, avec, on avait été acheter le tissu exprès pour cette robe. On la fera aussi. Il faut vraiment que je fasse une liste. Et où on voulait faire une parodie de jouets. Voilà, on s'en fout. en goûter, il n'y en a aucun parce qu'on en a fait plein et on adore surtout ceux où il y a Fanfée et Saphira qui sont un peu incrustés sur les côtés, c'était marrant. Ok, mais laisse un peu sucer, Saphira. et en réaction, bah, les fanarts en général, on a bien aimé. Les fanarts, ouais, moi j'aime bien faire les fanarts. En préféré, je dirais bah, les Disney épisodes, bah ouais, forcément. Ça reste les Disney épisodes. Et les clips. Et les clips aussi. Voilà. Ouais. C'est vraiment, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Mm-mm. Ça nous éclate, on rigole. Ventilateur. Tu sais, quand ta robe tombe. bah oui, comme Fantastic Tale et Fantastic Odyssey, dont on n'a pas parlé depuis le début de cette vidéo. Qu'on a adoré faire parce que c'est des trucs très. Comment dire. Très. Un peu clés dans notre chaîne où c'est un peu des musiques qu'on a choisies, que Tai Shindehai et Neku avaient remixées pour nous. Quelque part, c'est moins personnel parce qu'on ne chante pas. Mais c'est quand même beau parce que bah, c'est classe. Moi je trouve qu'on est classe dedans. On bouge, on danse en rythme avec la musique, avec les flûtes. Et ouais. Comment vous êtes-vous rencontrés et quel est votre Disney détesté? Alors, comment on s'est rencontrés? On a fait une vidéo dessus que je vous mettrai, une de mes vidéos préférées qu'on a fait ensemble, la Draw My Life. Tu t'en rappelles? Ah, waouh!
je dois avoir un flash, quoi. Ah, ah, c'était drôle, une ça. Une de mes vidéos préférées. On va le dire rapidement, mais allez voir cette vidéo parce que on l'aime énormément. Mais j'adore cette vidéo. Il y a la petite musique qui va bien où on dessine avec notre couleur à tous les deux et tout. Et ouais, c'était drôle à faire. Et coucou, c'est les successeurs de Disney. Vous avez été très nombreux à nous demander un Draw My Life. Et malgré nos talents de dessinateurs douteux, nous avons décidé de nous lancer. C'est parti. Et sinon, comment on s'est rencontrés? En fait, on ne s'est pas vraiment rencontrés parce qu'on s'est... On s'est connus depuis tout petit. On s'est connus depuis pratiquement la naissance. On a 6 mois d'écart, mais on se connaissait, on était bébés. On n'a même plus conscience de quand on s'est connus. Mmh. C'est vrai. Bah, oui. Parce qu'on s'est connus avant la crèche, on s'est connus avant l'école, en fait. Parce que nos parents, en fait, ils avaient un groupe de musique, en fait, ensemble. Et puis du coup, nos parents se gardaient les uns les autres. Et donc forcément, on a grandi. Nos parents, ils se gardaient. Ouais. Nos parents nous laissaient nous garder les uns les autres. Tu dormais chez moi, je dormais chez toi. Ouais, et ça. On regardait des Disney, on jouait beaucoup aux jeux vidéo. Jeux vidéo aussi. Mister Nut. Le Roi Lion. On pourrait faire toute une vidéo où vous parlez aussi de notre... Ben, on pourrait le faire. On pourrait le faire. Une vidéo de notre enfance, les jeux vidéo de notre enfance qu'on a connus ensemble. Ouais, vraiment, tout c'est une idée à noter. Aussi, ouais. Tout à fait. et comment on s'est rencontrés, tout simplement. Et notre Disney détesté. Alors, est-ce que... on va compter que les Disney qu'on a vus, du coup. Je vais faire une famille dans Winnie l'ourson. Parce que je l'avais jamais vu et j'ai regardé trop. J'aurais dû regarder plus jeune. Parce que my god. J'en ai vu qu'un. Winnie l'ourson et les félins. Alors peut-être que vous allez me dire c'est le plus... Oh, j'ai dit mais... Wow. C'est pas le mais mieux. Je préfère regarder les Télétobies, quoi. Oh, je suis perdue. Je t'ai retrouvé, maman. Enfin, quoi? Sinon après, Kermit s'en casse la gueule. Sinon après, je dirais, je sais pas si je peux dire que je l'ai pas aimé, mais en tout cas, il m'a blessé de marbre. C'était Plane. D'ailleurs, le Plane 2 est toujours sur blister chez moi. Je l'ai pas vu. Mais je peux pas dire que je l'ai pas aimé. Je veux dire, beaucoup de gens détestent La Ferme se rebelle. Et pourtant, moi, il m'a fait rire. C'est pas un Disney exceptionnel. Je crois que je l'ai jamais vu. C'est pas des vaches, ça? Ouais. Et il est rigolo. J'aime bien le méchant qui est là, 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 voilà. Bah, moi, détester, on parle des deux ou pas? On parle que des Disney numérotés. Sur cette chaîne, en général, ouais. C'est ce qu'on fait. Ouais. Oui, bien sûr qu'on parle des deux. Bah, da. Une certaine indienne qui va dans la forêt. Le dernier Disney qui va dans la forêt, n'importe quoi. Alors, moi, pareil, je dirais. Pocahontas 2, pareil, si on le colle au premier film, c'est pas possible. Si on le prend en tant que dessin animé seul, il y a des trucs qui sont cool dedans. En fait, dedans. Les deux en général, quoi. Les deux en général, c'est vrai. Mais détester, bon, je peux pas dire que je déteste. Mais il y en a aucun que je déteste vraiment, en fait. Au pire, il y en a qui me font... Je m'ennuie, je me fais chier, on peut dire les mots, hein. Mais ouais, voilà, ça, tu le vois une fois et puis tu dis ouais c'est bon, c'était pas top, je le regarderai plus. Je pense qu'il y a aucun Disney que je déteste. Détester, c'est vraiment, c'est un mot quand même fort, détester. Il y a un truc que j'ai été déçu, c'est Dany et le petit mouton noir, que j'avais vu que des bandes annonces quand j'étais petit, et je l'ai vu en vrai plus quand j'étais plus vieux, quand j'ai pu le trouver, et bof, oh là ouais. Là, il est long. Fantasia aussi, je pensais que j'allais m'éclater, en fait je me suis endormi. Le premier? Le premier et le deuxième, en fait, mais je m'en souviens plus à trop. Je sais qu'il y a Bette Midler qui est en présentant, donc c'est trop cool. Mais. Ça doit être le deuxième. Mais alors. C'est juste que je m'attendais à ce que ce soit des histoires et c'est trop musical. Après, il faudrait que je le revoie à mon âge là. Mais c'est juste que je l'avais vu plus jeune et j'étais déçu. Moi, j'avais bien aimé Fantasia, j'ai un bon souvenir de. Mais je ne déteste pas. Là, comme ça, le Bossu de Notre-Dame 2, le 2 peut-être. Bossu de Notre-Dame 2. Bossu de Notre-Dame 2 et Pocahontas 2, ça ne doit pas être loin. Et puis sans compter les Plains, que je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup d'intérêt. Ouais, ouais. Et on en est qu'au menu. Black Got Creepy qui dit « Hello vous deux !» Alors déjà, j'espère que vous allez bien. Tu vas bien? Ça va. Moi aussi, ça va. Et il faudrait que je me remette au sport un peu parce que je suis fatiguée. Oui. Apparemment, c'est voilà. Question numéro 1. Que pensez-vous des derniers Disney et des polémiques sur la plateforme concernant les changements de personnages, orientation, couleur de peau, tout ce qui y est de tabou? On a plus ou moins déjà répondu à la question. Ouais. Mais ouais, donc comme tu as posé plusieurs questions, on va aller plus vite parce qu'on a plus ou moins répondu. 2. Allez-vous recommencer les vidéos parodies comme Mulan ou Taram? C'est-à-dire, PS, je l'ai regardé quand j'étais gamine et je Ah, je pense que tu parles des Disney épisodes. Parce que Taram, ça aurait pu être le clip, mais Mulan, ouais, c'est ça. Franchement, on a envie de le faire. On aimerait bien, ouais. On aimerait bien. Ouais. Et j'avais commencé à l'écrire, faudrait vraiment que je m'y mette correctement. Je vais en parler tout de suite parce que j'ai peur qu'on n'en reparle pas. En fait, le truc, c'est que, à côté de ça, on s'occupe d'une association qui nous prend énormément de temps où on danse
On a beaucoup d'animations de prévues dans cette association et des choses qui sont assez conséquentes à faire. Ouais, c'est plein du temps. Qui prennent du temps, oui, c'est vrai que on est pas mal occupé à côté, sans parler du boulot et, oui, bien sûr, et bien de sûr. La vie privée aussi. Bien sûr. Donc, mais ouais, non, ce serait cool de. Ah oui, mais c'est sûr. Et je sais, enfin, je suis sûr au fond de moi qu'on va en refaire. Mais c'est juste que voilà, il faut le temps. Avec Princesse, on regarde le film. Après, j'écris un ébauche. Je l'appelle, on revoit ensemble, on recorrige des trucs. Voilà, ça prend du temps. Et au fond de moi, je vais pas dire que j'ai peur, mais je sais par exemple que YouTube évolue énormément et j'ai pas envie que notre qu'on évolue trop. J'ai envie qu'on garde notre truc, même si ça reste pas vieillot, mais même si ça reste en... parce que voilà, j'aime bien notre petite patte. On n'est pas, je suis pas un grand écrivain, je fais pas des répliques de fou. On n'est pas des super bons acteurs, on n'est pas des bons chanteurs, mais on est comme ça. Mmh. On aime très bien être comme ça. Question 3, pas vraiment une question, mais plutôt de vous souhaiter le meilleur à tous les deux. Ah, ben c'est gentil, merci. Il y a Aouchan qui nous dit: est-ce que dans les nouveaux Disney, nous allons retrouver des méchants qui sont méchants et non des gentils qui deviennent méchants puis redeviennent gentils? Voilà, bonne continuation. Très bonne question. C'est on peut revenir sur question, Wish, oui, où ouais. On sait qu'apparemment Wish va vraiment faire un gros méchant. Mais moi, je trouve pas qu'il est charismatique. On l'a vu vite fait, mais je trouve pas qu'il a l'air charismatique. Ça me surprend pas. Moi, je trouve que le dernier méchant, je sais pas pourquoi, d'un coup, je pense à lui. Le dernier méchant en date qui est méchant et qui est charismatique, c'est Docteur Facilier. Moi, après, ouais. Je sais pas s'il y en a moi, une. Moi, il m'a marqué, mais je sais pas s'il est sorti avant ou après, j'ai plus de tête. Mais je dirais Mergotel, moi. Ah, peut-être Mergotel. Elle est peut-être moins charismatique parce qu'elle a juste une petite roblette, mais je sais pas. Elle m'a vraiment. Il y a un côté où elle te suit, elle te chante une chanson. Elle te dit d'accord, tu vas rester avec lui. Eh ben d'accord, je vais rester au loin. Tu vois, il y a un côté. Mais c'est vrai que les méchants où c'est un personnage, comme dans les séries actuelles, toutes les séries Netflix, où tu dis, il y a un personnage qui paraît plus ou moins charismatique, mais qui est très tertiaire, qui sourit deux, trois fois, clin d'œil mercredi. C'est méchant où personne s'y attend, mais quand vous savez, franchement, dans Coco, putain, j'en ai parlé déjà dans Coco, mais j'ai pas été surpris. Enfin, voilà, j'espère que Wish. Oh là là, Wish. Ouais, qu'est-ce ouais. que tu vas prendre, ouais, Wish? Parce que comme il nous vend du rêve et que oh là là, mais nous on a toujours dit, hein, on dit notre ressenti. Peut-être qu'on a un ressenti de vieux, mais on le dit. En général, on est relativement d'accord quand même, ouais. Même si je suis un peu plus cru. Donc voilà, pour les méchants, et je sais pas si on retrouvera les méchants d'avant. Bah, qui font vraiment peur. C'est difficile de trouver les méchants d'avant. Je crois que ça arrivera ouais. plus, parce qu'il y a des nouveaux codes aujourd'hui où il faut pas trop faire peur. C'est ça. On vous demanderait de ressortir Maléfique ou La Méchante Reine aujourd'hui avec les mêmes designs et tout. Ils vont changer des trucs. C'est trop sombre, ça fait trop peur. C'est obligé. Comme par exemple dans les Simpsons, ou par exemple, bon ça c'est différent, mais ils ont fait en sorte que Homer il n'étangle plus Bart. Ah ouais? Ouais, alors qu'avant, oh, espèce de petit. Ben, mais ça, c'était maintenant, le truc. Maintenant ils le font plus. Et ça s'est fait discrètement, hein, ah personne ouais l'a vu, mais ils le font plus. Tu vois, ça. C'est parce que violence voilà. faite aux enfants. Je peux comprendre, mais voilà, il faut pas être triste, il faut dire on évolue ouais. avec notre époque. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Vos Disney, les épisodes, les machins, ça ne disparaîtra jamais. Vous serez toujours là. Jamais un Hercule Black ou une Mégara asiatique, on ne sait pas, vont détrôner votre Mégara. Jamais, jamais. Sauf si vous le voulez, mais là, c'est votre problème. Mégara asiatique. Le Citron nous dit « Hello, ça va ? Ça fait un bout de temps que je vous suis et j'espère que ça va continuer. Quel serait le Disney ou Pixar que vous aimeriez voir sortir une suite, un remake ou quelque chose de plus original ? Étrangement, j'aimerais une suite à Encanto. Ah ouais ? Je pense que c'est pas totalement impossible parce qu'il a super bien marché. Il a vachement bien marché. Tu sais que la musique, ne parlons pas de Bruno, a dépassé Libéré délivré, quand même. Ah si, du coup ça fait la musique la plus écoutée depuis. Je serais capable de sortir un 2. Hein. Je serais content parce qu'il y a plein de personnages intéressants qui sont pas assez développés. Je dis pas que j'irai prier pour qu'il y ait une suite. Mais je vous rappelle qu'il va y avoir un Toy Story 5 quand même. La facepalm. Bref, toi.
Moi, je suis suis resté sur Toy Story 5. Et je suis, ouais, elle a bugué. Moi, je suis content qu'il y ait un, La Reine des Neiges 3. Pour beaucoup, ouais, ça fait trop. Mais les musiques qui nous sortent à chaque fois sont tellement génialissimes. C'est vrai que le 2, elles étaient vachement bien. Et l'esthétique et tout, moi, je coule une larme, hein, je te cherche. Ah, vraiment, au moment, à la fin, où les deux voiles se mêlent. Ah non, mais ouais, ah, là. Moi, La Reine des Neiges, pour l'instant, tant que je suis pas déçu, même si le scénario, je le dis, est broken, hein, j'en ai parlé dans la vidéo pareil, hein, mais la musique, rien que pour ça. Ouais, comme ça, là. Je sais que t'aimes pas trop en général, mais voilà, c'est ouais, par rapport à la question. Voilà. J'aimerais bien mêler une patte. Ah ouais? Tu vois? Carrément. J'aimerais bien mille revoir une mille et une patte. Mais ouais, enfin, revoir. Le revoir et qu'il y ait une suite, ouais, ça me dérangerait ouais, ça pas. Peut être voilà. Pas mal. Ça, c'est un Pixar? Oui, il y a un Toy Story 6. Oh, Wally, ouais. Pour voir ce qu'ils ont, ah ouais. Comment ils ont fait et tout. Bah après, c'est sûr que ça se finit en parfaitement, mais c'est vrai qu'il y a possibilité de faire plein de trucs. Ouais. Hein. Genre Wally dans le passé, ou il y a plein de trucs, même dans les prequels ne me dérangent pas. Mmh. Après, voilà, j'ai pas tous les Disney sous les yeux, mais... Pocahontas 3. Le rire. Pardon. Je pense qu'on a très peu de chances de voir des suites de dessins animés 2D. Aussi. Ah bah oui, 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 voilà. Oui, c'est techniquement, j'imagine. À part ceux qu'ils ont fait en live action. Bah oui. Peut-être qu'on aura La Petite Sirène 2, ou je pense, bah je crois qu'il y a Aladdin 2 qui a été validé. Et là, du coup, je suis curieux, parce qu'est-ce qu'ils vont nous faire un retour de Jafar ou pas? Captain Luke Mouse nous dit, avez-vous l'intention d'aller à Disneyland un de ces jours? Ce serait bien, mais il nous faut des sous. En fait, le truc, c'est qu'il y a deux, trois choses qui rentrent en compte. Nous, on habite relativement loin. Ouais. C'est devenu cher, de trucs de fou. On habiterait à côté, le pass annuel à un certain prix, mais on peut y aller quand on veut. On peut y aller quand on voudrait. Voilà. Mais là, on y va, on en a pour je sais pas combien. Bah, nous, il nous faut on a pas un week-end, quoi. Voilà. Parce et puis, sinon, ça sert à rien. Ça veut dire l'hôtel, ça veut dire l'essence. Mmh. Après, c'est pas impossible. Mais moi, j'avoue que j'éprouve pas une envie incroyable de y aller. Bah, moi, juste pour faire les attractions à sensations fortes, en fait. Mais j'éprouve pas une envie incroyable de y aller, j'avoue. Mais non, ouais. Parce que j'arrive pas à m'empêcher dans ma tête, désolé, mais j'arrive pas à m'empêcher dans ma tête que ça reste quand même le lieu business, quoi. Bah, tu dépenses des sous, tu Mais ouais, et t'es heureux. Aller dans les boutiques. T'es heureux. Ouais, les boutiques, c'est parce génial. J'adore les boutiques. Mais je veux dire, moi, j'adore vivre ma magie Disney chez moi, avec mes petites décos, mes petites Disney. Mais en plus, Disney, toi, passer un tour, tu y as été souvent à Disney. J'ai dû y aller, 8 fois en un an. Ouais. Pour certains, c'est rien, hein, mais pour quelqu'un qui habite à... T'avais vu plein de monde aussi, là-bas. Oh là là, incroyable, incroyable. Mais ouais, voilà. Et pour revoir la parade aussi, parce que c'était cool. Ah bah, bien sûr. Mais après, pourquoi pas l'organiser? Et encore mieux si on peut y aller à plusieurs. Ouais. Évidemment, c'est toujours mieux. Au moins pour partager les frais de l'essence et l'autoroute. Rien que ça, c'est génial. Frais. Et puis parce qu'il y a plusieurs, c'est sympa aussi. Ah bah, bien sûr. Pas après. Trop non plus. Parce pas que trop, après, parce qu'après... Moi, je vais aller là, toi, tu vas aller là. Ouais, machin, ça... temps, on m'a toujours dit qu'il fallait un nombre précis pour y aller. Ouais. Je ne sais plus combien. Mmh. Pour en gros, qu'il y en ait qui veulent faire certaines attractions et pas d'autres. C'est ça. Puis il y en a d'autres qui vont en groupe, mais qui se rejoignent que pour manger. Comme ça, tout le monde aussi, fait ce qu'il veut. Aussi, voilà. Oui, pourquoi pas, mais il n'y a rien de prévu. Mimi qui nous dit, savez-vous où on est la vidéo d'Emmy? L'a-t-elle retrouvée dans sa tour? Alors, il y a un truc de rigolo concernant les chroniqueurs en général, c'est que à une période, ils avaient tous disparu, et ils sont tous revenus au même moment. C'est vrai. Et ils ont tous redisparu, mais c'est normal, on est bien placé pour savoir que voilà, chacun sa vie, etc. Voilà, chacun fait comme il et peut. Et puis, ils sont chacun seuls dans leur coin. Aussi, nous, on a la chance de se motiver aussi, entre nous. Aussi, donc des fois, c'est pas facile forcément. Donc, pour Emmy, je ne sais pas, elle répondra peut-être à la fin de cette vidéo. Emmy, si tu nous entends. Si tu nous écoutes. Oh, je pense que oui, parce qu'elle adore encore plus. Emmy, elle adore quand on papote. et pour des nouvelles assez rigolotes, un petit truc, j'ai des nouvelles de, tu vas pas deviner qui, de Lord. Tu t'en rappelles? Le tout premier chroniqueur. Waouh, wow, il vient d'avoir un bond dans le temps, il là. Il avait 14 ans quand il nous a rejoints. On faisait nos premières vidéos quand on vivait dans l'appartement en bas de chez moi. Et il nous a rejoints. J'ai dit ouais et tout, machin. Et puis il a fait des vidéos sur la Reine des Neiges qui avait bien fonctionné plus et tout. Et puis il est venu me reparler. Et je me suis rendu compte que je lui avais foutu un vent il y a un an parce que je n'avais pas vu un de ses messages. Et du coup, là, il m'envoie un message en me disant bon, tu m'as pas répondu il y a un an, tu dois avoir tes raisons. J'ai dit oh, je suis tellement désolée. Et donc, le bug, il vient quoi? Bah, je ne sais pas. J'avais entendu parler qu'il devait possiblement faire une colocation avec un autre membre, un membre de l'ombre de la chaîne, mais je ne vais pas en parler là. Mais je ne sais pas si ça s'est fait ou si ça va se faire. Je ne pense pas, on verra. Ludivine
nous dis-les. Quelle est votre plus grande surprise dans les Disney des dernières années? Oh, alors pour moi, ça va être dur, hein. Je te laisse réfléchir parce que moi... Dans les Disney des dernières années, là? Moi, je te parle comme si t'étais devant moi et que t'allais me répondre. J'ai pas été surpris depuis très longtemps. Bah, sûrement à cause c'est de... difficile. Hein. Sûrement à cause de mon âge. Toi, c'était pas dans Coco? Parce que il me semble que tu m'avais dit que tu l'avais pas vu venir. Moi, je l'avais vu venir, mais... Ah ouais, surpris dans ce sens-là. Moi, je pensais surpris, genre... Ah, peut-être les deux. L'extase du truc, quoi. Ah genre, il était, waouh, il était ben moi, super, ce film. Moi, c'est horrible, mais ça doit remonter à La Reine des Neiges 2. J'ai aimé plein d'autres films après, attention. Mais La Reine des Neiges 2, je m'attendais ouais, voilà, pas bon à cette claque. Ouais, mais voilà, un bon coup de cœur, quoi, tu vois. Un bon je m'attendais pas à cette, classe dans, cette claque dans La Reine des Neiges 2. Après, voilà, bah, ça compte aussi pour la fin de La Reine des Neiges, où la surprise est quand même belle, quoi. On aurait pu s'y attendre, mais j'ai quand même... C'est un tout. Mais La Reine des Neiges 2, la fin, oh là là. Bon, il y a plein de problèmes dans le scénario, il y a plein oui, de problèmes dans bah le déroulement. C'est un peu de gingois, mais c'est grâce aux musiques que pour moi, ça, ça m'a... Ça rattrape wow. Tout, quoi. Ouais. Oh, waouh. J'ai bien aimé La Petite Sirène, mais ça m'a pas... Waouh. Ouais, tu vois, c'est ça. Ça voilà. D'ailleurs, j'en parle ici, mais bon, j'ai vu le film Le Manoir Hanté, qui est de Disney, et j'en ai pas fait de vidéo parce que j'ai été très malade en sortant de la salle. En fait, il faisait très très chaud. En dehors de la salle, c'était l'été à Pont, ça faisait trop chaud. Je crois que j'en avais parlé. Oui. Et que dans la salle, il faisait relativement tempéré. Et en fait, j'étais pas bien, j'étais fatigué, je suis épileptique. Alors, je suis sorti, une chaleur étouffante. Mmh. La lumière, en un seul coup, après avoir été dans une salle obscure et la chaleur, j'étais vraiment pas bien. Et ce que je peux en dire, c'est que, mouef. Voilà. Mouef. Voilà, mouef. Il est sympa, mais en même temps, ils ont sorti le film en plein milieu de l'été. Il y a des très bonnes idées, mais le problème, c'est qu'ils ont fait des trucs où ça te fait penser à un film d'horreur. Et enfin, c'est juste que ça fait trop peur pour les enfants au début, et après, ça devient un film tout calme, tout cuculapraline, où t'as 30 fantômes. Le groupe de protagonistes se sépare, et les fantômes, ils attendent et ils restent tous devant le bonhomme qui parle, alors que les autres ont clairement été faire des trucs de gentils, alors que les fantômes auraient pu se séparer. C'est pas logique. Mmh. C'est pas cohérent. Il est pas égal. Et pourtant, il a des bonnes qualités. Si vous voulez aussi que j'en parle, pour ceux qui ont venu jusque là, si vous voulez aussi que j'en parle. Il y en a plein qui dorment. Voilà, c'est ça. Vous me direz, j'en ferai une vidéo spéciale aussi rapide. Et moi, je cherche encore, hein, putain, le dernier qui m'a foutu une claque. Bah, est-ce que ça serait pas La Reine des Neiges 2 aussi? Parce que, est-ce qu'il t'a pas choqué tant que ça? Ou à part par rapport à la musique à Christophe? Non, voilà, c'est. Ouais, choqué comme ça dans ce sens-là. Ouais. Voilà, si tu parlais de ça au le niveau truc de la surprise. Mais tu peux pas t'en remettre parce que c'est tellement drôle. Moi, franchement, c'est La Reine des Neiges 2. Au niveau souvenir, après, je le répète, il m'a foutu une grosse claque, mais le film. Le scénario est broken, vraiment, hein, et on en a parlé, je crois qu'on en a parlé dans la vidéo, donc pareil, on va pas en reparler ici. Sauf si vous voulez des précisions et que vous avez la flemme d'aller voir la vidéo, mettez-le moi en commentaire, soit je vous enverrai vers la vidéo, soit je vous l'écrirai directement. Alors désolé si j'écorte ton nom, mais j'ai juste MC5220. Est-ce que vous pensez que Disney va évoluer vers une réelle représentation des LGBT? Une princesse ou un prince gay par exemple? Il semble que ça fait des années qu'il prépare un peu le terrain avec des personnages secondaires, mais pas des personnages principaux. Bah sauf dans du coup... Avalonia. Alors Avalonia, MC, si tu regardes ça, si t'as pas vu Avalonia, c'est bizarre parce que vraiment c'est le personnage principal. Mm-hmm. Ah mais là il parle de prince et princesse. Mais oui. Auxquels les petites filles et les petits garçons pourront vraiment s'identifier. Ça peut arriver mais je... Bah le problème c'est que j'ai peur qu'Avalonia du coup il s'en serve pour dire bah ça va marcher. Ouais, c'est ça. Après Pixar, attention, Pixar ça fait depuis très longtemps qu'ils mettent des LGBT en cachet et qu'ils les rapprochent. Ouais. Ça a commencé, ça a fait dans Zootopie, dans le monde de Dory, dans Élémentaire récemment, c'est vraiment, regarde là, il y a Stéphanie avec sa petite amie Mélanie, tu vois, c'est vraiment face. Moi je serais le premier content à ça, mais d'ailleurs je crois qu'il y a un film Netflix qui est vraiment pas mal, Namina ou Namona, un truc comme ça, il paraît qu'il est génial au niveau de l'animation et tout, où le personnage principal est homosexuel et il paraît qu'il est vraiment cool. Je crois que j'ai vu la bande-annonce aussi. Mais voilà, de toute façon, c'est des gens comme les autres. Hein. Il y a plein de gens qui ont regardé des Disney avec des hétéros toute leur vie, ça les a pas empêchés d'être homo. Donc contrairement aux gens qui disent oh, mon fils est hétéro, il va devenir homo parce qu'il a vu Ethan dans Avalonia qui est gay. LOL. Non, mais n'importe quoi. Mais bah après oui, ça peut arriver, mais je le vois pas tout de suite quand même. Bah tu vois, c'est peut-être... marrant parce que la prochaine question ça suit. Hein. Ah, quels sont vos pronostics? Moi je parie sur 3 ans, l'espoir fait vivre. Dans les 5 années à venir? Bah, en personnage principal, ouais, on verra. Parce que, ouais. Après, ça peut évoluer super vite, hein, je sais c'est pas. C'est sûr. Après, nous avons, bah, c'est la dernière question, c'est parti. Ludivine nous dit: allez-vous donner une nouvelle vie à la chaîne pour l'année prochaine ou garder la même trame? Alors c'est une question à la fois simple et compliquée. Ouais. Parce que nouvelle vie, en fait, oui, parce que je pense que là, en plus ça m'a motivé, je sais pas toi, mais ça m'a motivé à reprendre, j'ai plein de petites idées qui sont arrivées. Faudra noter mais nouvelle vie du style, on va reprendre les vidéos, mais nouvelle vie, oui et non, parce que
Je vois pas qu'est-ce qu'on peut faire en tant que concept supplémentaire. Oui, parce que déjà, le peu de concepts supplémentaires qu'on avait apportés, c'était pas des gros trucs. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, le problème, c'est comme a dit le joueur du grenier, tu le connais sûrement de nom, ouais. Il a dit, le problème, c'est qu'on connaît, en fait, ce qui pourrait vraiment marcher sur YouTube. On fait des gros putaclics avec des trucs de fou. En fait, on connaîtrait la recette pour avoir des vues un peu plus facilement, mais on n'aime pas le manger, le gâteau. Enfin, je sais pas comment il l'avait dit, mais c'est intelligent, tu vois. Du style, on connaît le truc, on connaît le truc pour que ça marche, ouais. Mais c'est pas notre truc. Et puis après, y a plein d'exemples que je ne citerai pas là, mais vous allez deviner, des gens qui ont 30, 35 ans, qui parlent comme des jeunes, qui se renseignent sur des mots de jeunes pour sauter partout dans la caméra, pour, oh, machin, et truc de fou et tout. Ça attire, mais quoi. C'est pas eux. Mais voilà, ça correspond pas aux gens. Donc, non, comme tu disais en plus tout à l'heure dans je sais plus quelle question, qu'on souhaitait quand même garder notre petite. Notre petit délire, on sera jamais, voilà, on sera jamais des on aussi bons. On vise pas des millions de vues et des, oula, et des voilà, comme on l'a dit déjà, qu'on était on sera jamais très impressionnés par le nombre d'abonnés qu'on peut avoir. On sera jamais et des. Et même encore à l'heure d'aujourd'hui, quand on voit le nombre d'abonnés, alors que la chaîne n'est pas forcément aussi active, merci, qu'avant. On souhaite garder notre petite chaîne. Et puis on n'est pas des critiques comme Oncle Buck, on n'écrit pas aussi bien que son pseudo, on n'a pas une grammaire, un vocabulaire immense, on n'a pas une connaissance des réalisateurs, des producteurs comme Oncle Buck, voilà, c'est clair. Mais voilà, c'est ça qui est bien. Il n'y aura pas des concepts de fou, même s'il y a un truc. Après, on peut peut-être trouver des trucs, des petites. Il y a un truc qu'on voulait faire depuis un moment, mais ça risque de prendre du temps, mais c'est pas impossible. Je vais vous le dire là en avant-première, même si c'est pas sûr qu'on le fasse. On voulait tourner une partie de Villainhouse. Oui, tout à fait. On voulait tourner une partie de Villainhouse, mais le problème, c'est qu'il nous faudrait plusieurs caméras. Personnes. Ce qui est sûr, on peut jouer à deux. Si on le fait, mais si on le fait un jour, on le fera à trois. Mais ouais, je pense. Ouais. Parce que le problème, c'est que si on le fait que à deux, on s'attaque face à l'autre. On essaiera de demander autour de nous si ça intéresse quelqu'un. Ça, ouais, et il nous faudra trouver une autre caméra aussi. Il faut trouver d'autres caméras. Il nous faut plusieurs angles de vue. Ouais, ça va être. Si on est trois, je dirais qu'il faut trois caméras en fait. Une pour chaque. Il en faut trois, parce qu'il en faut, imagine, je suis moi là, ouais. Une pour moi, ouais. Une pour vous deux en face, ouais. Il en faut une pour au-dessus. Ah ouais. Et ça, c'est compliqué à mettre en place, caméra au-dessus. Je me renseignerai, mais ça, c'est vraiment un gros plan sur la comète. Mais là, voilà, on a plein de petites idées que je me noterai correctement, parce que je réécouterai forcément cette vidéo. Et voilà. En tout cas, je sais pas si toi, si t'as... Voilà, je peux te poser une question en tant que prince à princesse. Est-ce que toi, la chaîne t'intéresse toujours? Parce que ça pourrait pas être le cas. Moi, j'avoue qu'à cause de... Je me suis mis à faire beaucoup de couture. Si vous me suivez sur TikTok, vous avez vu les costumes que j'ai fait et tout. Et c'est vrai que ça me passionne et tout, mais c'est vrai que ça me manque de pas être devant la caméra avec ma petite princesse préférée et qu'on déconne tous les deux Mais c'est vrai que... Et puis, le pire, le plus marrant, c'est qu'on se retrouve et tout, on tourne, et puis après, on dit « Ah, c'était cool !» Et toi, ça te plairait? Ça me manque, moi, carrément, mais de faire vraiment les Disney épisodes, tu sais, comme on faisait avant. Et après, des fanarts ou des vidéos, des petites vidéos qui prennent moins longtemps. Non, ça manque, c'est vrai. Vous verrez bien si on tient ça. Peut-être que notre prochaine vidéo sera allez, à dans 10 ans. En tout cas, dans les commentaires, si vous avez tenu jusque-là, n'oubliez pas de. Si vous avez des réactions toutes si les questions, vraiment, si vous avez qu'on approfondisse quelque chose. J'ai parlé du manoir hanté, de qu'on reparle de certaines choses, si l'idée de Villainhouse vous intéresse. Il ne faut pas hésiter à nous le dire parce que nous, on est contents. Même si vous avez une idée qui ne plaira peut-être pas à tous les autres, c'est pas grave parce que nous, peut-être qu'on va se dire c'est ça le truc à la cool. Alors oui, on n'a pas eu beaucoup, mais on nous dit votre chaîne vous choisissez la facilité parce que, mais non, c'est pas ça, c'est aussi parce que on fait ce qu'on peut dans le temps qu'on a, de ce qui nous amuse aussi, parce que aussi des gens qui en font leur métier nous on n'a jamais voulu le faire et nous c'est pas du tout notre truc. Et puis même on serait vraiment parti dedans, il y a 6 ans, j'aurais dit à Princesse, quitte tout. On a 2000 euros chacun pour faire la chaîne. Peut-être que oui, ça nous aurait plu un temps. Mais très vite, ça aurait été un boulot. Princesse Mag aurait été sur l'ordi à se renseigner à fond sur le personnage de Maléfique pour dire alors, attends, Maléfique, machin et tout, machin. Enfin voilà, après Disney qui devient notre travail. Non, c'est jamais non, forcément. Non, il faut que ce soit
Nous, du moins, non. Un hobby, tant mieux s'il y a des gens, ça marche. Mais moi, j'aime bien parce que ça fait une fenêtre d'évacuation. Bah, c'est ça, ouais. Donc, voilà. Fenêtre d'évacuation. Ça a été relativement assez long. On vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup si vous avez tenu jusqu'au bout. Hein, on fera sûrement. Voilà, bah, je vais noter toutes ces petites idées. On les fera. Ouais, et voilà. On vous fait des gros bisous. Marquez tout en commentaire, etc. N'oubliez pas Princesse Poussière sur YouTube. Sur TikTok, ça doit être Les Successeurs ou Prince Dina, vous verrez. Sur Instagram, c'est Dynasty Sanderson. Vous pouvez trouver avec Prince Dina ou même Les Successeurs, je crois. Oui, je m'appelle Dynasty Sanderson, c'est mon nom de drague. et voilà, on se retrouve très bientôt. Salut. Bisous. Bien le bonsoir, noble paysan. Bienvenue sur cette vidéo de présentation Les Successeurs de Disney. Moi, le prince, et ma sœur, la princesse. C'est quoi du spoil? Ah, les conseils de princesse. Mieux que le kimono de Mulan, l'eau de Pocah. Une goutte vous suffira, l'eau de Pocah. Youhou, c'était les conseils de princesse. Pour paiement, pour moral, sur le monde de la planète Terre. Comment cette histoire, vous ne pas chercher à un et là, illumination.